Bonjour. Bon après-midi. On partage le live. Bonjour. On partage le live. Permis. Ça m'a mis ta poton. Dans son masseau de la dame. Langsung main, Pak. Ya. Dadah. Yep, thank you. C'est comment la famille? Vous avez vu ce que Ngando a fait, non? Quand vous dites que le malheur... C'est-à-dire... Quand vous dites que le malheur de l'Africain, c'est les parents. Le malheur des Africains, c'est les parents. Et je n'ai rien contre les Ivoiriens. Mais dans la vie, avant d'aller chez le voisin, dis que tu as faim. Il faut devoir chercher à savoir, est-ce que chez toi, tu n'as pas la nourriture? Ngando crie au secours. Cri au secours. Subitement, les Ivoiriens ont couru. Oui, c'est un peuple hospitalier. Mais est-ce que c'est eux qui devaient aider Ngando? Ngando, tu as mis l'humiliation sur les blogueurs, influenceurs camerounais. Petit frère, vous ne comprenez pas. J'ai une longueur d'avance sur vous. D'abord, je ne m'identifie pas en tant que blogueur, influenceur. Je suis un activiste. Mais je suis un activiste, j'ai une longueur d'avance sur vous. J'ai une longueur d'avance sur vous, vous ne comprenez pas. Dorénavant, quand vous allez faire les clashs, les bursts, les Ivoiriens auront le dessus sur vous. Dorénavant, sachez comme ça. Dorénavant, les Ivoiriens, blogueurs, influenceurs, auront le dessus sur vous. C'est clair. Ça veut dire que votre audience va baisser. Toi, ou bien c'est quoi, brigade des bœufs, tu étais en contact avec Ngando. Tu devais d'abord appeler au secours aux Camerounais pour qu'on cherche à trouver la solution entre nous. Pour qu'on trouve la solution entre nous. Tu ne l'as pas fait. Dans la vie, être gentil, c'est bien. Mais avant qu'un étranger ne t'aide, est-ce que tu allais voir ton frère? Est-ce que tu allais voir ta sœur? C'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez rien compris. Ngando est mauvais. Ngando vous a envoyé au chômage. Parce que moi, je comprends. C'est le buzz, c'est les activités chaudes qui vous font manger. C'est ça qui vous donne à manger, le buzz. Les gens ne comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas le game. Hein? C'est quand il y a buzz que vous avez de l'audience. Regardez. C'est quand il y a buzz que vous avez de l'audience. Vous croyez qu'ils sont bêtes de sauter sur l'occasion pour aider Ngando? C'est parce que Ngando n'est pas n'importe qui. C'est un personnage public. On a sauté sur l'occasion pour aider Ngando. C'est une preuve à conviction. Dorénavant, là, sachez que vous qui aimez faire les clashs entre Ivoiriens, là, le tout, là, c'est cuit. Comme lui-même l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Le tout, si c'est cuit, vous n'avez rien compris. Vous êtes dans l'émotion. Je ne suis pas votre camarade.
Je suis le grand frère de beaucoup de vous. J'ai l'expérience que vous n'avez pas. L'argent ne peut même pas suffire. Est-ce que l'argent peut suffire? L'argent ne peut même pas suffire. Il ne suffit pas seulement de donner l'argent. Mais qui donne l'argent? Au départ, nous, on voulait aider Ngando. C'est parce que Ngando avait misé sur le gros paquet. Ngando a misé sur Samuel Eto'o au départ. Vous comprenez bien, le type n'est pas bête. Il n'est pas bête. Ngando n'est pas bête. Il a misé sur Samuel Eto'o au départ quand il partait à la CAN. Et Samuel Eto'o l'avait déjà déchargé. Mais oui. Donc Ngando a souillé le Camerounais. Ngando vous a souillé, vous les blogueurs, vous les influenceurs, Ngando vous a souillé. Ngando vous a enlevé le pain dans la bouche. Dorénavant, sachez que dans le clash, vous ne serez plus égal à égal. Ils ont aidé votre père. Ils ont aidé votre parent. Ngando, c'est le grand-père de beaucoup de nous ici, là. Ngando, c'est le parent de plusieurs personnes. Donc, Ngando a fuck up. Ngando a fuck up. Vous voyez le problème du Cameroun, non? C'est les vieux. Celui qui me comprend va comprendre. Ce n'est pas une affaire de mendiant. Il pouvait être dans son monde, on ne le gère pas. En réalité, Ngando doit avoir un manager. Ce n'est plus n'importe qui. Soyons organisés comme les Ivoiriens. Tout le monde a le manager en Côte d'Ivoire. Tout le monde a le manager en Côte d'Ivoire. Mais oui, même ceux qu'on dit que c'est le cas grave, ils ont les managers. DJ, oui, c'est DJ congélateur à son manager. DJ, oui, c'est qui là-haut? Non. Il n'a pas gagné. Il a gagné en détruisant les autres. Vous ne comprenez pas. On n'est pas du même niveau. Il n'a pas bien fait. Ngando a mal fait. Ok? Ngando a mal fait. Vous ne comprenez pas. Il y a des sujets d'actualité que il faut souvent prendre ça avec beaucoup de pincettes. Non, il n'a pas gagné son jambo. Ngando devait plus gagner. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il devait demander l'aide aux Camerounais. Là, il devait sonner tout le monde. Étant au Cameroun, il pouvait dire que nous, voici, on nous a laissé, nous sommes 10. Nous sommes 20. Bon, comme on n'a pas l'argent, donnez-nous l'argent de 10 billets d'avion. Maintenant, il présente 5 personnes. Il part avec 5 personnes. Est-ce qu'on va le contrôler? C'est parce que dans la tête de Ngando ciblait Samuel Eto'o. C'est ça le problème, vous ne comprenez pas? Ngando ciblait Samuel Eto'o. C'est que son Shiba a raté. Maintenant, il est obligé de faire ce qu'il est en train de faire là. C'est une honte. Non. On a déjà désintéressé Ngando depuis. Désolé les gars. On a déjà fini avec Ngando depuis. Samuel Eto'o a déjà fini avec Ngando depuis. Ce qui est sûr et certain, Samuel Eto'o a maintes fois aidé Ngando, ça ne se cache pas. Ngando devait manger quand il partait à la CAN. Nous tous, on devait cotiser parce que une CAN sans Ngando en Afrique, à côté de chez nous, chez nos beaux-frères, chez la belle famille, sans Ngando, ça ne devait pas être sucré. Ngando devait sucer son doigt là-bas. Ce qu'il est en train de faire maintenant là, il fait ça malgré lui. C'est parce que son Shiba n'a pas marché. Et Ngando a envoyé les gens au chômage. Petit frère, vous allez voir. D'ici quelques jours, vous allez voir les images. Quand je vous dis chaque temps là, méfie-toi. Vous voyez, quand on veut humilier quelqu'un, c'est quoi? Regardez bien, même dans les grandes nations, même quand les grands se clashent. Quelqu'un dit que ferme ta gueule, dis donc. Tu parles fort aujourd'hui. J'avais soigné ta mère à l'hôpital. Tu me parles fort. Donc ferme ta gueule. Les personnes bien éduquées, bien élevées, les hommes qui ont les moyens, refusent que ce n'est pas n'importe qui prend les parents en charge. C'est parce que peut-être toi qui parles là, tu n'as rien. Quand tu es une personne, tu as ta dignité, tu as ton ego que tu gardes, que tu protèges. Si ma mère est malade, ce n'est pas n'importe qui va aller la chercher. Il faut que tu sois crédible.
J'ai atteint un niveau, quand tu m'envoies l'argent, je te demande d'abord, c'est pourquoi, c'est qui tu es. Sinon, je te renvoie ça. C'est comme ça. J'ai atteint un niveau de ma vie que je m'en vais m'asseoir dans un snack, dans un bar. On m'envoie une bouteille de champagne. Je cherche à connaître la personne. C'est ma dignité. Vous n'avez pas de dignité, calmez-vous. On n'est pas dans la rue. Ngando a souillé le Cameroun. Ngando a souillé le Cameroun. Il a envoyé les gens au chômage. Clash entre Ivoiriens et Camerounais. Ça ne sera plus comme avant. Vous allez voir. Tapez ma main. J'ai tout une longueur d'avance quand il dit mes choses. C'est quand tu es pauvre que tu n'as pas de dignité. Quand tu t'es battu dans la vie et que tu peux déjà subvenir à tes besoins, ce n'est pas n'importe qui donne l'argent de beignets à tes enfants. Il y a les maisons où tu arrives et tu dépends de l'enfant. On te dit non, s'il te plaît, merci. L'enfant te dit merci. Parce que c'est ce qu'on lui a inculqué, ses parents. Ne nous confonds pas, nous les enfants des pauvres. Même étant pauvres, mon ami, chez nous, tu venais demander, tu demandais l'argent, on ne demandait pas l'argent à quelqu'un. Non. Ma mère nous avait habitué qu'on ne demande pas l'argent à quelqu'un. J'ai habitué mon enfant, il voit l'argent en route, il ne ramasse pas. Mais oui, bien sûr. C'est une affaire d'éducation. Ne nous confondons pas, nous qui sommes nés dans la précarité, nous, que les parents ne nous ont pas donné assez d'amour, ne confondons pas cela à la logique. Il y a ce qu'on appelle la logique dans ce monde. Ce n'est pas les Ivoiriens qui devaient, même pour l'enjeu qui est derrière. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu derrière, c'est quoi? Constamment, on a l'habitude de se clasher. Pas moi. Certains Ivoiriens et certains Camerounais, je vois, ça paye, ça fait beaucoup d'audience. Toi, tu es peut-être un téléspectateur, tu vois. C'est quand il y a les sujets qui font mal, qui chauffent, que les blogueurs, les influenceurs se font de l'argent. Toi, tu ne comprends pas. C'est un travail. Chacun donne son point de vue. Tu crois que c'est pour rien que chaque sujet, chaque blogueur, influenceur veut donner son point de vue? C'est parce qu'ils ont les pages monétisées et ça paye. Ça paye. Il y a des sujets que tu fais comme ça, là, tu as 2 millions de vues. Tu as 500 000 vues. Tu as 100 000 vues. À la fin du mois, tu te rends compte que tu as gagné même tes 2 000 $. Tu ne comprends pas seulement toi qui es en train de répondre que non, il a mal fait. Il n'a pas bien fait. Ça devait rester entre la communauté camerounaise d'abord. Maintenant, on devait conditionner tous ceux qui devaient aider Ngando. Tu ne le fais pas en public. Tu le fais en catimini, ça passe. Ngando n'est plus n'importe qui, c'est déjà un papa. C'est un père. C'est une mascotte. Qui parle d'équipe nationale parle de Ngando. Et c'est aussi la faute de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o devait le décharger bien. Dans les règles de l'art. Comme à partir d'aujourd'hui, je me décharge de tel. Il ne fait plus partie de l'équipe. Même s'il n'est pas membre de la FECAFOOT officiellement. Il y a un comédien là. Il y a un comédien qui est un frère à moi. Qui est mon ami. Qui est un frère. Il y a un comédien qui est... Il y a l'un de ses filles qui est sorti une fois. Il a fait une déclaration. J'ai pris la partie là, je l'ai envoyée. Il a dit, il faut déchirer le monsieur celui-là. Et il a fait. Et il a fait. C'est moi qui lui avais dit que le petit là n'est pas bien. Il ne peut pas aller entrer dans le direct de quelqu'un qui est en train de descendre parlant certaines choses. Ça veut dire que on va finir par dire que c'est toi qui veux l'envoyer devant pour avoir le succès. Alors que tu t'es fait sans lui. Faites beaucoup attention. Vous êtes encore les enfants sur la toile. Et voilà pourquoi on a décidé de nous mêler de certains sujets. Moi, c'est les sujets durs qui m'intéressent. Maintenant, il y a des sujets comme ça qu'il faut parler. À un moment de la vie, là, il y a des gens qu'il faut se décharger de toi. Il faut se séparer de vous, de lui. Il y a des gens dans votre vie qu'il faut mieux vous débarrasser de lui très tôt. Sinon, ils vont vous causer préjudice. Samuel Eto'o que tu vois là, je suis sûr qu'il a le macabre de Ngando. Parce que c'est l'humiliation totale. Mais ils peuvent faire autrement. À un moment, tu ne comprends pas qu'on ne veut plus de toi. C'est ça la vie. C'est moi qui ai dit ici. J'ai soutenu Ngando, non? Et pas j'avais soutenu Ngando. J'ai dit que voilà 100 $. C'était l'appel de balle. Mais personne ne m'a pas contacté. Personne ne m'a contacté. Pourquoi? Parce que dans sa tête, au lieu d'aller supporter les lions, pour lui, c'est un fonds de commerce. Oui. La chèvre boude là où elle est attachée.
Mais il n'a pas compris que non, le peuple, c'est la majorité. Je préfère que beaucoup de personnes m'aident, qu'une seule personne me donne un paquet. Parfois, le paquet là, c'est petit par rapport à tes attentes. Alors, quand plusieurs personnes t'aident, tu es sûr et certain que ça dépasse tout ce que tu voulais dans ta vie. Je sais de quoi je parle, les gars. Gando a fuck up. Gando a envoyé les gens au chômage. Dorénavant, c'est la honte. Je n'ai rien contre les Ivoiriens. Je suis un pro-ivoirien. Voilà. Mon fils s'appelle Barbo. Je suis intéressé par la politique ivoirienne. J'adore les moyens de construire le pays. Mais je vous dis bien que dorénavant, là, vous allez voir, non? Quand vous allez tenter encore, ils vont prendre que ça. Voilà les preuves à conviction. Oui, oui. Les Pacheco, celui-là, les Johnny Pacheco, même le coup là, le petit coup là, il répond souvent aux Camerounais très mal. Celui qui a donné l'argent à Ngando, ils ont couru pour tomber sur l'occasion. Vous êtes moi en guerre, vous allez voir. Vous allez me dire ça un jour. Partagez seulement le live. Vous allez me dire ça un jour. Vous êtes moi en guerre, les gars. Vous allez voir, non? Vous allez confirmer prochainement. Vous allez voir le coup là, quand il parle souvent des Camerounais, il a le macabre des Camerounais, les Johnny Pacheco. Il a le macabre. Non, il n'est pas mendiant, les gars. Il n'est pas mendiant. C'est le management, les gars. C'est le management qui manque à l'homme Camerounais. Regardez les Ivoiriens. Subitement, quelqu'un devient star. Il est connu par quelques personnes. Directement, il a une équipe. Il a son manager. DJ Congélateur, son manager. DJ Manager, lui-même, son manager. Donc, je parle seulement des gens qui sont sur Facebook, qui nous embrouillent là. Imaginez alors les autres, les kérosènes. Tous ont les managers. Tous ont les managers. Allô? Allô? Yeah. Starbucks. Yeah. Donc, vous dites que le gars a humilié les Camerounais d'abord. En fait, même pas que pour moi, je n'ai pas un problème, hein. Moi, je n'ai pas un problème, je donne mon point de vue. Et c'est ça qui est ça, c'est ça la vérité. Tu ne peux pas être dans un jeu de rivalité avec une personne et que par la suite, ton père, en se baladant dans son quartier, tombe. C'est lui qui porte ton père, qui amène à l'hôpital et qui soigne ton père. Ou peut-être il amène ton père à l'hôpital. Maintenant, la facture sort. Ton père, au lieu de t'envoyer la facture que mon fils a l'argent, laisse, il va payer. Il laisse que l'étranger là, celui avec qui tu es en rivalité, paye la facture. Dorénavant, tu vas dire quoi? Tu vas seulement chop maîtriser dorénavant. Tu n'auras plus le pouvoir devant cette personne. Je m'adresse à vous qui êtes dans la rivalité avec les Ivoiriens. C'est ça mon problème. C'est pour dire que dorénavant, le buzz ne sera plus sucré. Le buzz dorénavant ne sera plus sucré. Pourquoi? Parce que voilà une preuve à conviction. C'est ça qui montre que non. Vous êtes inférieur à eux. Ils ont aidé votre père. Yeah! Ils ont aidé votre père. Est-ce que vous me comprenez un peu là? Donc le game ne sera plus bon. C'était un game qui nourrissait beaucoup de personnes. Et ça perdurait même. Je vois les gens qui font ça perdure. Peut-être vous êtes sur la toile, vous ne comprenez pas. C'est le buzz qui donne l'audience. Et ça fait gagner les gens sur la toile. S'il n'y a pas de buzz, voilà pourquoi même dans le buzz, il y a les mots qui passent. Tu t'intéresses au vrai sujet. Mark Zuckerberg te bloque. Parce que ça ne donne pas d'audience. L'audience dans les buzz, c'est élevé. C'est les gros mots. Moi, on ne bloque pas. Tu signales, mais moi, on ne bloque pas. Parce que Mark Zuckerberg veut celui qui a l'audience. Même s'il insulte les gens. Même s'il fait les folies. C'est ça qu'on a besoin. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Parce que c'est ça qui retient les gens. C'est dans ça que maintenant Facebook met les publicités. Vous voulez quoi?
Voilà pourquoi c'est la bêtise qui persiste. Au fait, les bains, c'est la bêtise. Les insultes que la poussière a fait que nanani nanana. Dans ça, parfois, il y a les bons sujets. Parfois, la majorité, c'est les faux sujets. C'est les faux sujets. C'est ça que je dis. Ngando devait d'abord se plier chez ses frères. Entre nous, on trouve la solution. Comme hier, j'ai dit, on ne doit pas l'aider. Parce qu'il a démenti. Oui, il a demandé les excuses. Qui demande les excuses est à moitié pardonné. Mais, Ngando devait sucer son doigt quand il quittait le Cameroun. Ce n'est pas la fin qu'on demande sa part, non. C'est dans l'enthousiasme, dans le show. Quand il y a la défaite, mon ami, il faut être chanceux pour avoir ton salaire. On ne demande jamais quelque chose quand il y a deuil. Dans la tristesse, on va te donner quoi? C'est dans la joie. Parce qu'on pense qu'on peut aller gagner ensemble. Quand la Fekafou de la Sainte, il a pris la route de parti. Il devait directement mettre Orange Money, MTN Money. Pendant qu'il est en route là, l'argent est en train de pleuvoir. Comme ça, on lui fait parvenir l'argent. C'est ce qu'il devait faire. Ngando a manqué de stratégie en fait. C'est ça qui manque nous, les camps. On n'est pas organisé. Quand quelqu'un devient un peu important là, il oublie que non. Tu dois faire confiance à quelqu'un qui a le téléphone. C'est lui qui répond à ta place. Parce que quand tu deviens star, quand tu es connu un personnage public, il y a beaucoup de personnes qui ont ton numéro. Il y a la famille. Et tu vas perdre le nord parce que ta tête va s'exploser. Vous connaissez combien d'appels j'ai par jour? Moi qui vous parle là, j'ai au moins 1000 à 800 appels chaque jour. Je ne peux pas. Est-ce que tu ne peux pas? Mais oui. Donc, c'est aussi la manière de Samuel Eto'o de tourner à côté du pot. Il doit se décharger du père là. Il doit se décharger officiellement. Comme mon frère comédien avait fait, avec son petit qui était malade là. On a dit que non, il l'a amené dans quelque part. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, voilà, il ne fait plus partie de l'écurie. À partir d'aujourd'hui, c'est fini, c'est bon. Parce que le témoignage là, je lui ai dit, écoute ce qu'il a dit. Fais attention, il faut décharger celui-ci là. Parce que les gens ont ça que demain matin, si le pire arrivait, il ne dit pas la vérité. Il y a beaucoup là. Les gens qui ont les problèmes, ils connaissent les problèmes. On connaît même les problèmes. Mais ils sont incapables de dire aux gens ce qu'ils souffrent. Ils sont incapables. Il y a beaucoup de malades là qui ne veulent pas dire la vérité. De quoi ils souffrent? Il y a les malades comme ça là. Quand on leur donne même l'argent, on les prend en charge. Mais c'est toi qui prends en charge. C'est toi que devient vient verser au carrefour. On te traite pour le mauvais, pour le sorcier. Que wow, tu veux intenter sa vie, wow, tu veux le vendre au Nyongo. Alors qu'il connaît son problème. Alors que même dans la maladie, on l'envoie dans les concerts. On l'envoie animer. Il pointe, il va 200 000, il va 500 000. Mais il ne vient pas dire la vérité. Vous connaissez ce qui veut dire un personnage public. Quand tu es un personnage public et que tu connais gérer, hein, que tu connais gérer ta communauté, tu ne manques de rien. Je vous ai dit ça. Tu ne manques de rien. Franchement, Ngando en fait partie des personnes, des Camerounais qu'on aime. Mais oui, c'est la mauvaise gestion en fait. Pourquoi ils n'ont pas les deux? Faites attention, hein. Les gars ont l'argent. Hein. En fait, comme j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui a un personnage public qui est pauvre. Si tu es pauvre, ça veut dire que tu gères mal ta vie. Voilà, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, peut-être tu me détestes, il y a ceux qui m'aiment. Pendant que tu m'aimes, il y a ceux qui me détestent. Et c'est comme ça la vie. Voilà. Donc c'est comme ça. Si nous, si là, parfois on s'assoit, et que Mbanga, c'est comment? Tu fiertes, ça ne va pas. Quand tu envoies l'argent. Pourquoi c'est quoi? Quand on dit personnel public, pourquoi c'est quoi? Parce que tu fais des choses que les gens adorent. Tu es connu. Il y a des gens qui m'envoient 2 millions. Parle quoi là? Il y a des gens qui m'envoient 2 millions. Ils me disent que Mbanga, c'est comment? Ça ne va pas dire, c'est chaud. Ok, il t'envoie quoi? Ah, mon frère, c'est ce que tu veux, non? Regarde, dis le gars, voilà. Tu crois que c'est 200 000? Tu parles, ouais, c'est un million. On te donne 2 millions de francs CFA. Mais oui, c'est vrai. Vous parlez même quoi, là? Non. Il partait faire quoi là-bas? Non, il va manger, non? Il va manger. Mais oui, il va manger. C'est son métier de supporter. Mais Samuel Eto'o doit déjà le décharger. Samuel Eto'o doit le décharger, c'est clair. Officiellement, que dorénavant,
Tu ne fais plus partie de la maison. Parce que maintenant, il a mis la honte sur les gens. Non, oui, il a mis la honte sur les gens. Et sur vous, petit frère, vous n'avez pas compris ça. Il vous a envoyé en chômage. Ngando a envoyé les blogueurs camerounais en chômage. Il a réduit l'audience des blogueurs influenceurs camerounais face aux Ivoiriens. Ce sera fini. Ce sera fini. Bon, tu vas encore dire quoi? J'ai sauvé ton père. Tu vas encore me parler fort? Hein? Tu vas encore me parler fort? J'ai sauvé ton père, j'ai soigné ton père. Tu vas dire que quoi? Dans quelles circonstances? Tu n'étais pas là. Et de sur quoi il y a un Camerounais à côté? C'est lui qui fait la vidéo. C'est lui qui fait la vidéo. Il met aussi sur sa page. Là, on est en train de donner l'argent en gando. C'est comme ça, c'est fini, non? Tu vas encore faire quoi? Vous avez dit que c'est le game? Non, ce n'est pas le game. Non, ce n'est pas le game. Dorénavant, là, vous allez voir. Dorénavant, on doit sortir ça. Voilà, les Johnny Patrick vont prendre ça. Non, vous êtes morts en guerre. Avec les filles qui ont la sale bouche là. Non, tu vas vous parler, non. Ils vont mélanger tout maintenant là. Même nous-mêmes qui ne sommes pas concernés, on sera maintenant concernés. Même toi qui n'es pas concerné, tu seras maintenant concerné. Quand les Ivoiriens veulent nous laver. Non, c'est comme ça la vie. Quand les Ivoiriens veulent laver les blogueurs, laver le Cameroun, ils vont maintenant profiter aussi, laver avec l'affaire de Cameroun, avec l'affaire de Ngando. C'est comme ça, non? Vous êtes tombé dans les pièges. Et voilà la force des Ivoiriens. Ils sont forts dans le showbiz. Non, non, non. Voilà la force des Ivoiriens, en fait. Ils sont dans le showbiz. Ils sont dans... Non, non, pour moi, je n'ai pas un problème, Amel. On s'en fout, non? Je n'ai pas un problème. Je parle de ceux qui sont dans le showbiz. Tu sais, c'est un showbiz. Ça dure, ça fait gagner les gens, l'argent. Le clash continue, le clash continue. Maintenant, si là, il y a les mots qu'on va lancer, c'est mort. Sinon, c'est mort. Automatiquement, c'est mort. Non, 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 non. Ngando doit partir seul. Quand on laisse Ngando, que l'équipe de la FECAFOOT fasse une lettre officielle, publique, et publie sur sa page. OK? Parce que Ngando a parlé de la FECAFOOT à la télévision, à Canal 2, que nous sommes arrivés, on n'a pas de problème. Donc maintenant, la FECAFOOT nous a pris en charge. Il a fait un démenti qu'on les a conduits en erreur. Maintenant, qu'est-ce que Samuel Eto'o doit faire? Qu'est-ce que Samuel Eto'o doit faire? Samuel Eto'o doit faire une lettre officielle. Se décharger officiellement de Ngando. Qui ne veut plus qu'on mêle la FECAFOOT dans certaines histoires. Et que celui qui parle de la FECAFOOT, ça n'engage que lui. Parce qu'il ne connaît pas ce dernier-ci-là en tant que membre de la FECAFOOT. Terminé. Et pour les raisons de santé et quoi que ce soit, il pouvait prendre ses distances. C'est clair. C'est tout. Mais oui, c'est vrai, non? Moi, j'ai compris, non, les gars? Moi, j'ai compris, non, les gars? J'ai compris. Qui veut comprendre? Personne ne peut comprendre. Puisque si Ngando n'est pas en mouvement, il ne mange pas. Vous ne comprenez pas. Il va laisser au quartier faire quoi? Supporter, c'est ça qui lui donne l'argent. Vous croyez que... Ne soyez pas surpris que Ngando appuie la route. Wallahi Billah, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que Ngando prend la route. Ne soyez pas surpris que Ngando prenne la route. Oui, non. Alors, ne soyez pas surpris que Ngando va prendre la route. Il vous prie pas. Il est rentré, il est reparti comment? Où est la voiture là d'abord? Il est parti par où? Mais où est la voiture? La voiture est garée où? Non, 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 la FECAFOOT doit le décharger. Aïe. La FECAFOOT doit décharger Ngando officiellement. C'est clair. Vous savez, bon, je prends un exemple. Regardez le petit ci qui critique les artistes en Côte d'Ivoire là. Regardez le petit ci là qui était en cellule récemment. Quelqu'un va dire que non, pourquoi Samuel Eto'o va faire une lettre communiquer sur Ngando pour dire que dorénavant on le décharge. Non, c'est important. Ngando, c'est un personnage public que tout le monde connaît. Il a toujours été à côté des footballeurs de l'équipe nationale. Regardez le petit, c'est là qui critique les journalistes,
les artistes en Côte d'Ivoire. Il disait qu'il est le petit frère d'un footballeur, non? Il disait qu'il est le petit frère d'un footballeur. Maintenant, un de ces quatre matins, le footballeur a décidé, ok? Le footballeur a décidé que le petit qui dit qu'il est mon petit, là, ce n'est pas mon petit frère, moi je ne le connais pas. Il y a des gens qu'il faut les désintéresser, il faut les décharger. Mais oui, comme maintenant là, Ngando, comme pas d'Ngando, on regarde la FECAFOOT. Alors qu'il ne travaille pas là-bas. Il ne travaille pas là-bas. Et voilà la honte sur les Camerounais. C'est médiatisé, c'est grave. C'est médiatisé. Vous connaissez le pourquoi c'est médiatisé? Parce que c'est Ngando. Vous croyez que subitement on a aidé Ngando parce qu'on veut aider un Camerounais? Non. C'est parce que c'est Ngando. C'est un personnage public. Il y a les Camerounais qui souffrent en Côte d'Ivoire. Il y a des Camerounais qui souffrent en Côte d'Ivoire. Bien. On ne les aide pas. C'est parce que c'est Ngando. On a pris un dossier sur vous. Donc maintenant, vous allez fermer la gueule quand il va vous laver. Voilà. Mais quand vous dites que il y a la poussière chez eux, il y a la poussière chez nous. Maintenant, alors, ils ont aidé votre père. Ils ont aidé votre père. Vous allez faire comment? Ngando, c'est même un grand-père. Donc, vous êtes mon anglais, la gars. Non, vous êtes mon anglais. Ngando a fait mal. Hein? Ngando a fait mal. Ah oui. Il a affiché la FECAFOOT. Il a affiché la FECAFOOT. Il a affiché Samuel Eto'o. Il a affiché beaucoup de personnes. Il a même affiché vous, les blogueurs. Vous ne comprenez pas seulement. Non, vous ne comprenez pas seulement. Il a affiché même Samuel Eto'o. Il a affiché tout le monde. Il a envoyé les gens au chômage. Ah oui, il a envoyé les gens au chômage. Alors qu'en réalité, Ngando l'aidait depuis le Cameroun. C'était fini. Ngando devait percevoir au moins même 20 millions. Puisque je connais les gens qui m'ont appelé. Quand j'ai dit que je vais donner 100 dollars à Ngando, il ne m'a pas appelé. Attends, c'est moi qui dois chercher à t'envoyer l'argent. Mon ami, je fais appel de balle. Je fais une vidéo. Et je mets sur ma page. Maintenant, quitte à ton équipe de me contacter. Est-ce qu'on peut faire une vidéo sur toi, 100 000 vues? Tu n'es pas au courant. Quand on fait une vidéo, 50 000 vues, tu es au courant automatiquement. Toujours, il y a un frère qui prend, il te balance dans ton WhatsApp. Il dit que voilà un gars qui te donne 100 dollars. Tu prends officiellement. Maintenant, les gens vont t'aider. Au fur et à mesure que tu avances, tu écris sur WhatsApp, je suis dans tel pays. Les gens vont t'aider. Mais comme pour eux, au lieu d'aller supporter vrai, c'est un fonds de commerce. C'est ça le problème du Camerounais. Le Camerounais ne connaît pas bien faire pour manger après. Et même quand l'occasion s'installe, au lieu de profiter de ça, non, il guette le gros montant. Ça, que ça vous serve de leçon, petit frère. Ah oui, il a simplifié. Il guettait le gros montant. C'est ça qui l'a tué. Il a misé gros. Parce qu'il savait que si j'arrive là où il y a Samuel Eto'o, ma vie va changer. Si j'arrive là où Samuel Eto'o, alors que Samuel Eto'o avait déjà fini avec lui. Je prends un exemple. Samuel Eto'o ne pouvait même pas le recevoir. Il est normal que tu as fini avec quelqu'un. Et tu l'as laissé loin au Cameroun. Mais tu es surpris que tu apprends qu'il est à côté de toi. Mais comment? Comment? Et c'est ça le problème du Cameroun. Les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Oui, c'est bien. Les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes. C'est ça qui est en train de tuer le Cameroun comme ça là. Non, c'est vrai. Voilà. Bon, on m'a dit qu'il part en retraite. Pas en retraite comment? Ceux qui sont aux affaires sont partis en retraite. Qui sont plus fatigués que lui. Hein? Donc voilà. On dit merci aux Ivoiriens. Voilà. Même si c'était un Ivoirien qui était au Cameroun, on devait aussi l'aider. Mais avant de laisser que le voisin t'aide, va d'abord vers ton frère. Va d'abord vers tes parents. Voilà. Demander si on peut t'aider. Voilà. C'est comme ça la vie. C'est l'éducation. C'est aussi ça la dignité. La dignité. C'est aussi ça les principes de la vie. Voilà. Quand tu as les problèmes, demande d'abord à ton frère. Demande d'abord à ta soeur. Demande à tes parents. Demande à tes proches. S'ils ne peuvent pas, maintenant tu vas vers le voisin. Ngando a souillé les Camerounais. Ngando a souillé les Camerounais.
Voilà. Il n'a même pas pensé que entre Cameroun et Ivoirien, il y a les clashs. Il y a les clashs. Il n'a pas compris ça parce qu'il pense à lui seul. C'est des personnes individualistes. J'ai vu le témoignage d'une Camerounaise qui vit en Côte d'Ivoire. C'est pas elle qu'on envoie l'argent. Ngando reçoit l'argent partout, des États-Unis. Mais il est toujours assoiffé d'argent. Il est friand d'argent. On les comprend. C'est comme ça la vie. Et c'est marrant. C'est comme ça notre pays. Les gens vieillissent avec le même système. Non, les gens vieillissent avec le même système. On est mort en guerre. C'est compliqué. Merci à toi, Longchi. J'ai reçu ton paquet. Merci à toutes ces personnes de près de loin qui manifestent. Merci à toi, ma soeur Marthe. Merci à toi, ma soeur Marthe. N'oubliez pas, hein, l'anniversaire de Mara Diaspora, c'est après-demain. Voilà. Mais bien sûr, je fais la vidéo pour soutenir Ngando, c'est clair. Attends, qui t'a dit que je refuse qu'elle fait la vidéo pour soutenir Ngando? Est-ce que j'ai refusé, ma chérie? Je ne refuse pas. Si tu n'as pas au niveau de compréhension, tu peux aller dormir, ma chérie. Hein? Voilà le moment qu'on devait aider Ngando. Il y a un moment dans la vie qu'on cherche à t'aider. Et si tu refuses, ça dépend de toi. La même personne qui cherche à t'aider aujourd'hui, et que tu dis non, que tu fais semblant, tu refuses son aide. Attendez, tu penses que si tu as un problème vrai, vrai, auquel il voulait t'aider et que tu as refusé, que tu as renoncé, parce que tu voulais aller voir quelqu'un d'autre, et par la suite, tu reviens vers lui, il va t'aider. Je ne t'aide pas. Je ne t'aide pas. Si tu manques d'intelligence, le temps, l'âge te donne la sagesse. Ce n'est pas moi qui va te donner la sagesse. Si tu es bête, ça te regarde. C'est ce qui a manqué à Ngando. Ngando a cru que si on l'aidait, quand il partait en Côte d'Ivoire, ça devait être petit. Dans sa tête, il a dit que on arrive là-bas en Côte d'Ivoire. Quand les taux vont nous voir, hein, ils vont nous proposer le gros paquet. C'est ça le plan d'Ngando. C'est ça qui a tué Ngando. C'est ça qui a trompé Ngando. Oubliant que dans la vie, quelqu'un qui sait que tu es là, mais qui passe en toi, ne t'a pas oublié. Il t'a ignoré. On avait déjà ignoré Ngando. Et je suis que c'est fini maintenant le tout là. Si Eto avait même le respect pour Ngando, c'est fini. Parce que ce qu'il a fait là, il a affiché Eto. Eto l'a souvent aidé, non? Eto l'a souvent pris en charge, non? Eto l'a souvent pris en charge. Nous, on l'a soutenu parce que comment on part sans lui? On a voulu le soutenir parce qu'on a dit que mais comment on part en oubliant Ngando? Les gens ont dit qu'il faut qu'il parte en retraite. On a dit que mais bien, voilà un père qui est au pouvoir depuis 41 ans là. Est-ce qu'il est en retraite? Est-ce que la notion de retraite existe chez nous au Cameroun? La notion de retraite n'existe pas chez nous au Cameroun. Nous, on ne connaît pas nous la retraite au Cameroun, pardon. Et si ceux qui veulent qu'ils partent en retraite, qui est que le haut là d'abord nous montre le bon exemple? On l'a tendu la main. Et quand j'ai dit à Mondo Vision que j'ai ces 100 dollars s'il arrive en Côte d'Ivoire, j'ai reçu au moins 600 appels. Est-ce qu'on t'a envoyé le numéro de téléphone? C'est comme ça que ça se passe dans les réseaux sociaux. Quand quelqu'un dit qu'il va t'aider, il met son numéro. Ou bien tu l'écris dans son inbox. C'est comme ça que tout le monde connaît. Tu m'écris, tu me passes le contact, j'appelle, j'écoute la voix de la victime. Ou bien j'écoute la voix de celui qui m'appelle. Tu me donnes les coordonnées, je fais parvenir l'argent dedans. C'est comme ça que ça se passe. Mais Ngando, dans sa tête, a dit que si je commence à percevoir de l'argent, si j'arrive en Côte d'Ivoire, je n'aurai plus rien. Dans la vie, si tu veux aider quelqu'un aujourd'hui, et qu'il t'ignore, et qu'il parte, on le déçoit là-bas. Non. Petit frère, une gata barrée, elle va chez un homme. Elle revient vers toi, tu l'acceptes encore. Petit frère, tu es un bourgman. Et que tu es un niéman. Tu es fou, petit. Eh, ma chérie. Tu étais là hier, tu aimais un gars, il ne t'aimait pas. Maintenant, voilà quelqu'un qui vient, il te lave, il te suit bien. Il te donne presque tout. Demain matin, il revient. Tu veux l'accepter. Ça veut dire que tu aimes la souffrance. Hein? Parce que ton karma sera grave. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Mon frère, je ne suis pas d'accord.
Les Ivoiriens l'ont aidé. Voilà, les Ivoiriens l'ont aidé, c'est bien. Mais sachez qu'il a humilié une fois de plus le Cameroun. Voilà. Quand tu sais que même les vrais parents qui sont dignes, Ngando est au courant de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ngando, là, il connaît bien les réseaux sociaux. Il sait comment ça se passe. Ngando n'ignore pas ça. Ngando connaît qu'il y a clash entre les Camerounais et les Ivoiriens. Ce n'est pas la guerre, mais c'est un clash. C'est un clash. Il y a clash entre les Camerounais et les Ivoiriens. Un père qui connaît que mon fils, là, discute chaque temps avec le fils de la maison, là. Mais il doit éviter d'avoir certains comportements envers cet enfant-là. Parce qu'on peut prendre ça comme une preuve pour insulter son enfant avec. C'est comme ça que ça se passe même dans nos villages. C'est comme ça que ça se passe même dans nos villages. Mais oui. Alors, mon ami, j'ai un ami avec qui je discutais. Voilà un jour sa mère qui passait. J'étais assis. Les passants ont dit que maman viens boire la bière. Elle a demandé qui est en train de donner la bière. On lui a dit que c'est moi. Elle n'a pas bu. J'ai dit que voilà une vraie mère. Alors que son fils avait tort. Un ami qui me devait de l'argent. Moi, je l'ai pris, j'ai mis en cellule. On s'est un peu séparés pendant longtemps. Sa mère n'a pas aimé le fait que j'ai mis son enfant en cellule. Je donnais la bière quelque part. La mère est arrivée. Quand elle m'a vu, elle a laissé la bière, elle est partie. J'ai aimé ce geste-là. Ngando connaît que sur la toile, il y a les clashs entre Camerounais. Il y a une différence. Il y a le défi entre Camerounais et Ivoiriens. Il ne peut pas aller ailleurs nous souiller. Et c'est un père, ce n'est pas un enfant. Donc la souffrance de la jeunesse camerounaise, c'est des vieux. Ils sont mauvais. Ils veulent manger seul, ils veulent sucer le doigt seul. Vous ne connaissez pas ce qu'il vous a fait là. Vous allez rappeler, vous qui commandez maintenant là, rappelez-vous de moi. Vous allez vous rappeler de moi un jour. Donc, laissez les affaires là, avec les affaires de quoi, tout ça. C'est quoi avec vous, quoi, tout ça? C'est rien, hein? C'est rien. Celui-là qui crie ça, derrière Samuel Eto'o, qui appelle Eto'o, que mais c'est quoi, Eto'o, toi, quoi, Eto'o, toi, Eto'o, mais c'est quoi, docteur Eto'o là. C'est pas un baranté. Celui-là qui fait la talakou de Samuel Eto'o là. Celui-là qui s'appelle, mais c'est docteur Nyamsi Krepen là. C'est pas un bamileke. Laissez les affaires là, dedans. C'est un grand-père. Il a ndem, il a chié. Il a chié sur la route des Camerounais. Il a chié sa sang. Voilà, nous tous, on a les problèmes au Cameroun. Voilà. Nous tous, moi je critique le Cameroun pour que ça change. Mais il y a les images que tu n'as pas montrées. Il a sué le Camerounais. Voilà, il a sué, il faut laisser ça. Pour son ventre lui seul. Tout ça pour son ventre seul. Pour son ventre seul. Laissez ça, dis donc. C'est le faux père. Alors, méfiez-vous des vieux là qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Un monsieur comme Ngando devait avoir une équipe. Voilà. Qu'il y a là où il envoie ses gars. Voilà. C'est parce qu'il est déjà fatigué. Normalement, il devait présenter une autre équipe à la FECAFOOT. Que voici les jeunes. Que voici les jeunes. Samuel Eto'o, pardon. Prends-moi les petits ici là. Ils sont comme les représentants de Ngando maintenant. Mais comme ils veulent tout là, ils veulent manger. Alors, fichez le camp, je dis. Le problème du Cameroun, si on t'explique, tu comprends ce que tu seras en train de m'expliquer. C'est vrai. C'est l'autre qui avait compris, Richard Bona. Arrêtez ça, dis donc. Il a humilié le Cameroun, laissez ça. Non, on donne le quota au Cameroun. Normalement, il doit arriver au Cameroun, on sent le quota. Que tu es parti chier là-bas dehors. Tu ne connais pas que les enfants là, ils font les blagues sur Facebook. Mais faites attention, il y a les blagues que les enfants font. Les parents sont au courant, hein. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous savez que il y a les blagues que les enfants font? Les parents sont au courant à la maison. Et ils connaissent comment s'en prendre. Ils ne faillissent pas. Les parents ne faillissent pas en route. Non. Ils se comportent bien. Parce qu'ils connaissent que non. Les enfants ont les jeux qui jouent ensemble. Il y a les mots qui sortent. Ton père me dépasse. Mon père dépasse ton père. Mon père dépasse ton père. Tout et tout. Souvent, les parents sont au courant.
Et ils savent comment gérer le quotidien, orienter le quotidien, connaître comment se comporter. Quand je vois les enfants, quand je vois les amis de mes enfants, j'ai un autre comportement. Mais oui, quand je vois les amis de mes enfants, je me comporte autrement. Une fois, je mangeais quelque part, à Tchopéyamon, sans publicité. J'entre là-bas, je vois les enfants du quartier. Je dis que, mais ouais, votre ami, mon fils. Ah, papa, tu sais que, comme il a sa formation de chaudronnerie là, dans le week-end, il part faire la chaudronnerie. Il se forme. Donc, tous les huit, le samedi, il part travailler. Et que, papa, mais tu as oublié. Il est parti faire la chaudronnerie, non? Mais tu les as vus, tu as fait comment? J'ai demandé les factures. Tu demandes les factures, tu payes. Et maintenant, on est parti dire à son père, qu'on a vu le père de papa, c'est lui qui a payé. Le voisin m'a appelé. Il me dit, merci, monsieur Wamen. L'enfant m'a dit que tu as... Un autre jour, j'ai vu l'autre voisin. Il m'a dit que merci pour le geste que tu as fait aux enfants. J'ai vraiment aimé. C'est comme ça la vie. Les parents sont au courant de tout ce que les enfants font. Ça peut venir d'un parent comme de l'autre. Tu ne peux pas connaître que tes enfants ont les différences avec les autres enfants d'un autre pays. Tu pars dans le pays là, jour malheureux. Pourquoi que Ngando manque l'argent? Arrêtez ça. Ngando manque l'argent. C'est que c'est la sorcellerie, la mendicité. Ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes. C'est-à-dire que si lui n'est pas là, rien ne marche. On ne pense pas à la notion de la retraite chez nous. C'est ça le Camerounais. Que non, bientôt, il faut qu'il laisse la place. Je dois déjà faire une autre équipe. C'est-à-dire qu'après moi, Ngando va toujours exister. Mais en identifiant les autres, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu es derrière, tu manges, tu es tranquille. Tu es derrière, tu manges. Petit frère, vous êtes parti, on vous a donné combien? Donnez ma part. C'est comment, non? Si, même si c'est les miens, tu manges, tu es tranquille. Alors, au moins, voilà l'héritage que tu as laissé. Tu as donné le travail aux autres. Mais il veut être là. Ça veut dire que si on ne le sélectionne pas, si la FECAFOOT ne l'accepte pas, ne l'invite pas, les autres enfants n'ont rien. Donc, tu préfères que les autres souffrent au lieu de quitter pour laisser la place aux autres. C'est comme ça le Cameroun, non? C'est ça. Voilà ce qui gangrène le pays. On ne veut pas laisser la place à la jeunesse. Tu vois, un gouverneur est là, il est déjà vieux. Quelqu'un a déjà 10 ans depuis que son âge. Quelqu'un devait partir à la retraite depuis 10 ans, il est encore en fonction. Voilà comme ça la carrière d'un préfet que tu es en train de détruire. Voilà un préfet que tu mets en attente. On n'a que 10 régions au Cameroun. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a 10 gouverneurs. Il y a 10 gouverneurs au Cameroun. Vous connaissez combien de préfets sont en attente? Vous connaissez combien de préfets sont en attente? À l'époque, tu ne pouvais pas être préfet plus de 10 ans. Mais à nos jours d'aujourd'hui, là, ça veut dire qu'il y a les fonctionnaires qui sont en attente. Et il y a des gens qui sont sous-préfets, administrateurs civils principaux. Ils sont encore sous-préfets. Alors quand on dit que administrateur civil principal, tu dois déjà être peut-être secrétaire général de la région ou bien préfet en attente de la charge. Nye. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas en retraite. Voilà Essogo, le délégué à la sûreté nationale de la région du littoral. Ils sont là en service, ils ne partent pas en retraite. Ils grillent la carrière des jeunes commissaires qui voulaient aussi être délégués un jour. Vous voyez ça? Ça va marcher comment? Tu grilles la carrière de ceux qu'on veut nommer. C'est comme ça. Alors, dans un pays où on ne va pas en retraite, c'est un problème pour l'avenir de demain. Un pays où on ne va pas en retraite, il y a pas la promotion. On va te nommer, on va t'envoyer où? Un pays où on ne va pas en retraite, on va te nommer, on va t'envoyer où? C'est la retraite qui laisse la place aux autres. C'est la retraite qui donne le travail. La vie, ça tourne. Plus les gens vont en retraite, on recrute. Les autres avancent. On recrute. Tac, 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 tac. Tu pars en retraite. C'est comme ça. J'ai suivi le discours du premier ministre gabonais. Il dit qu'il y a les Gabonais qui ne vont pas en retraite. Le système d'Alim Bongo, il n'envoie pas les gens en retraite. Ça empêche
à la fonction publique de recruter les gens. Où est l'Africain? L'Africain n'a pas la notion de laisser la place. C'est ça qui tue l'Afrique. Pendant qu'ailleurs, les gens grèvent pour qu'on réduise l'âge de la retraite. Chez nous, on bagarre pour mourir au travail. Ça, c'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas que tu as volé pour longtemps et tu as peur qu'en t'envoyant à la retraite, on va découvrir les forfaits, la forfaitude que tu as laissée en place. Pourquoi tu as peur de laisser la retraite? Pourquoi tu as peur de laisser le travail? Pourquoi tu as peur d'aller en retraite? Tu caches quoi? Les gars ont tellement volé, ils ont laissé les vies de ceux qui contrôlent. Ceux qui contrôlent. Et c'est vrai. Voilà pourquoi quand on envoie un gars en retraite, ou bien quand on le démet de ses fonctions, le lendemain, c'est la police qui vient garder sa maison, ou bien son bureau. Parce qu'on connaît. Ben oui, ça le Cameroun. On a toujours le problème. Ah oui, oui. C'est le Cameroun à l'envers. L'Orient Nounte. Mais ma soeur, l'Orient Nounte, c'est combien? Il attend ton paquet. Hein. Le 3 février, c'est après demain. Hein. Comment tu ne connais pas, c'est l'anniversaire demain. On va soutenir les détenus, hein, les détenus mineurs. Donc, allez faire le dépôt dans le rangement 6-96-94-32-42. MTN Money, 6-83-40-97-55. Mais tu as oublié. Mais tu as oublié, Lorraine. Mais tu attends quoi? Le 3 février, c'est après demain. On est en train de faire les préparatifs. Voilà. On est en train de faire les préparatifs. Envoie-nous n'importe combien là-bas. Et ce que tu as les dos? Hein? Ma soeur Odile. Vous êtes tous là en train de vouloir intimider. Tu parles à qui, petit frère? Regardez-moi tout celui-ci là. J'espère que tu n'as pas à Ham quand tu vas à Bac. Tu parles à un Camerounais qui part dans son pays chaque jour. Attendez, dis-moi, bon, même si on Ham, l'être humain est mortel. Je rentre, il Ham. Ça va changer quoi sur mes pensées? Pourquoi vous, les Camerounais, vous êtes comme ça là? Est-ce que tu me suis même? Ça montre que tu ne me suis pas. Est-ce qu'un homme comme moi, j'ai encore un problème d'avoir peur de la mort ou bien de la prison? Pourquoi vous êtes un homme comme ça? C'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. L'association Mbanga Diaspora, pas mon anniversaire, l'association. On va célébrer l'anniversaire de Mbanga Diaspora. On va faire les dons aux mineurs de la prison de Mbanga. Et on va mettre les caméras de sécurité à la prison de Mbanga pour empêcher les petits vices, voilà, un parent vient rendre visite à son fils et puis quelque chose s'égare, tout et tout, voilà. On peut parler de la prison en 2024. On ne parle pas des caméras de sécurité. Donc, il y a les caméras. Je crois qu'on est même en train d'installer ça. Donc, et maintenant, et samedi le 3, on va payer les amendes des petits délinquants là, les prisonniers délinquants là, pas les adultes, non, les mineurs. Il faut commencer l'année en solo. Dieu nous récompense en fonction des actes que nous posons aux uns et aux autres. C'est très important dans la vie. Parfois, Dieu nous épargne des dangers parce que on a aidé quelqu'un hier. Donc voilà, il faut aller mettre là dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Il y a le lien PayPal là. Donne le numéro, ok. Tout est possible, tout est possible. Ok, tout est possible. Je te pingue le numéro. Je te pingue le numéro là. 683 40 97 55. 683 40 97 55. Ça, là, 683 40 97 55. Là, c'est mon MTN Money. Orange Money, c'est le 685. 94, 32, 42. Voilà. Et il manquait 500 000. Donc, on a la sœur qui est au Nigeria. Voilà. Qui a envoyé presque la moitié. Marthe. Une sœur, Bengis. Voilà. Qui est au Nigeria. Elle a envoyé 200 000. Donc, voilà. On a l'autre sœur, Marthe.
qui est du côté de la France, qui a envoyé, bon, elle a envoyé hier, il manquait 500 000. Il faut qu'on complète pour qu'on puisse. Vous savez, ça en attend, ça veut dire quoi? Il y a les dossiers. Il y a les gens qui ont les amendes de 50 000. Il y a ceux qui ont les amendes de 100 000. Il y a ceux qui ont les amendes de 30 000. Maintenant, il y a les gens qu'on a condamnés en consamba. Et par la suite, on les a affectés, comme on dit là. Bon, ils ont le langage de la prison. On les a affectés en Banga. Et il y a ceux qu'on a condamnés à Douala. La prison est pleine. Maintenant, il a un jour fait la prison en Banga. On le déporte en Banga. Il se sent à l'aise en Banga. Parce qu'en Banga, c'est une zone rurale. Il parlait là-bas, il fait le champ. Donc, c'est juste un exemple. Donc, c'est pour dire que quoi? Celui-là n'a personne. Il y a même ceux qui partent en prison, comme vous voyez là. Il ne dit à personne. C'est comme le jeune policier là. Celui qui est policier là. Le gars du centre là, que je dis qu'il est policier là, qui m'a aidé une fois là. Celui-là, on part en Banga faire les dons. En sortant, il me donne les papiers. Il me donne un papier, le numéro. Il me dit que grand frère, appelle-moi. Quand j'appelle, bon, j'appelle un gardien de prison. Il me dit que lui, voyageons, l'a pris dans le car. Il n'avait pas de car dans l'été. Il part en prison. On dit, appelle tes parents. Il refuse. Il ne connaît personne en Banga, mais il est en prison. Et il a fait ses 3 mois de prison. Si on ne paye pas 50 000 là, pour les dépens, on appelle ça les dépens. Ça veut dire que même quand on a les problèmes ensemble, on me condamne de te payer 10 millions. Le jour de la sortie de prison, je ne suis pas obligé de payer ton argent. Mais je dois payer les dépenses. Les dépenses, c'est la cellule où tu as dormi, l'eau que tu as utilisée, les choses de la prison que tu as utilisées. En fait, c'est l'état, la documentation. C'est ça qu'on appelle les dépenses, si je ne me trompe pas. C'est ça qu'on appelle les dépenses. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne sors pas. Et maintenant, si tu ne payes pas, on te nie là encore peut-être 6 mois. Donc, on voit un peu. Donc, c'est ça, on cherche les petits prisonniers, les petits délits, défauts de carte d'identité, l'injustice à tous les niveaux. Regardez un pays comme ça, on condamne les gens pour l'affaire de carte d'identité. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais c'est compliqué. Hein? Vous ne délivrez pas la carte d'identité aux gens. Mais vous arrêtez quand même les gens, vous les condamnez pour défaut de carte d'identité. Et tu veux demander, on dit que non, il fallait qu'il aime le récépissé. Mais quand même, le papier, ça c'est merde, non? N'est-ce pas le récépissé? N'est pas le récépissé là? S'il pleut sur toi, c'est mort. S'il pleut sur toi, c'est mort, non? C'est trop compliqué, ma soeur. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Inquiète pas pour toi, mon cher. C'est vous qui croyez que la vie, on est venu sur terre pour blaguer. Monsieur, je vais te répondre un peu. J'ai horreur des jeunes comme toi, pourquoi? Parce que tu dis là que Ebolova, mais attendez, pourquoi tu n'as pas encore envoyé Ebolova? J'attends toujours ton don là. Monsieur Achille Bobson, tu dis que tu ne voulais pas m'enfoncer, ce n'est pas ça le problème. Je vais te dire un moment de la vie, si vous croyez que quand vous dites la vérité, vous n'êtes pas proche de la mort, détrompe-toi. Celui qui fait le mal est en sécurité que celui qui dit la vérité, que celui qui fait le bien. Regardez même dans la famille, ceux qui meurent vite, c'est l'ancien grand frère. Quand tu étais petit, il faisait les choses. Il rendait ta mère heureuse. Ceux qui meurent vite, c'est souvent celui-là qui était en train de soulever la tête. C'est eux qu'on tue. Donc, si tu t'engages dans le combat comme moi, je m'engage là. Et que tu penses que tu vas pleurer, tu es un homme mort. Si tu penses que la mort doit être une surprise pour toi, ça veut dire que tu n'es pas préparé spirituellement. J'ai toujours dit, je dis toujours à mes fans. Et il y a un qui a commencé à faire une vidéo là. Je l'ai appelé. J'ai dit, moi, je te connais. Est-ce que tu vas supporter? Comme tu commences là. Je lui ai dit. Il m'a dit que oui, tu as raison. Il a dit que je connais qui tu es. Donc, est-ce que tu es sûr de tout perdre? Je suis parti au Cameroun, j'ai tapé 3 ans. Est-ce que je vous ai dit un jour que j'avais les problèmes? Je pouvais sortir? Non. Je suis parti au Cameroun, ils m'ont arrêté, m'ont torturé. Ils ont calciné mes pieds. Est-ce que même quand je suis sorti, on vous a dit là, est-ce que vous savez que moi je souffrais? Je souffrais, mais je ne parle pas. J'assume les conséquences. C'est ça la vie. Yeah, welcome. Donc si vous pensez que quand tu t'engages, quand tu vas en guerre, tu penses que la mort c'est une surprise, ça veut dire que tu es bête, il ne faut même pas partir. Quand tu pars en guerre, ça veut dire que tu vas mourir. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous là?
Moi, j'ai horreur quand quelqu'un vient dans mon direct. Que mon ami, on m'a arrêté à l'aéroport la deuxième fois, non? La première fois, on m'a convoqué, non? La deuxième fois, j'avais rendu mon élément. Il nous avait amené sur écoute. Moi, je sors. Quand je reviens, on a encerclé ma maison. N'est pas cela, on a pris ma femme. Moi, j'étais sorti pour aller voir le garage juste à côté. N'est pas c'est moi-même qui est parti là-bas. Ce n'est pas si j'avais peur, je fuyais. C'est moi qui est parti à la sémine, non? C'est moi-même qui est parti à la sémine. Donc, c'est pour te dire là que je n'ai pas le moral comme toi. À la sémine, je sais qu'on torture les gens là-bas. On peut même te tuer là-bas. Mais c'est moi qui est parti pour qu'on laisse ma femme. Donc, même si je ne partais pas, on devait la laisser. On devait tout la laisser. Parce qu'elle n'est pour rien dans cette affaire. Donc, arrêtez d'emmerder les gens quand vous venez avec vos questions à deux balles. Là. Allô? 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 Starbucks, Starbucks. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Donc voilà. Allez contribuer. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous sommes sur terre de passage. Un jour on va mourir. Voilà. Donc arrêtez de croire que la mort c'est une surprise. L'homme doit mourir sur terre. Tout le monde doit mourir. Et tout ce qu'on va retenir de toi, c'est ce que tu as laissé. Il ne sert à rien d'avoir fait 100 ans et ne rien faire. Il ne sert à rien d'avoir 100 ans sur terre, humilié. Il ne sert à rien. Tout ce qu'on retient de toi, c'est ce que tu as laissé. Les patrons de Mumba n'avaient pas 50 ans. Les SS ONG, ils sont morts jeunes. Mais on parle d'eux comme c'était hier. La vie, c'est un choix. Tant pis pour ceux qui se cachent derrière les femmes avec les enfants. Le camion va venir les trouver tout là-bas. N'est pas chaque jour on te montre les accidents. Accident, tu dis qu'il y a 50 personnes qui sont mortes. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait, non? Cabral est mort, non? Cabral est mort récemment ici, là, non? Avec sa nouvelle belle voiture, non? Donc ça veut dire tu parles, tu meurs. Tu ne parles pas, tu meurs. Fais attention. Fais attention. Plus tu te rapproches du mal, le mal te fuit. Faut faire attention. Plus tu te rapproches du mal, le mal te fuit. Plus tu as peur du mal, il te cherche. Parce que c'est, il a peur des peureux. Le mal a peur des peureux. Le mal n'a pas peur des peureux. Le mal a peur de ceux-là qui peuvent les affronter. Maurice Kamto pouvait fuir, dire qu'il peut vivre à l'Ouest. Ou bien il part en exil. Mais il est au Cameroun, à Yaoundé, à Santa Barbara. C'est là où il vit. Il faut faire beaucoup attention. À tout à l'heure.